Salut tout le monde, c'est Chewbacca, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la loutanime du mois de septembre. Hein, comme je suis toujours en avance, forcément. On approche, vous voyez, septembre, bientôt décembre. Donc voilà, donc le thème, si mes yeux veulent bien marcher, Fierce. Ah, c'est, voilà, c'est... Vous avez compris, ça va être un thème... voilà. Faut voir ce qu'il y a dedans, parce que du coup les licences, aucune idée. Alors j'hésitais à vous faire une vidéo figurine, et puis après je dis, on va faire box, et on fera figurine après. Il y a deux t-shirts. Bizarre. Ou alors il nous manque un t-shirt. Oh, déjà il est noir, il est joli. Il est noir, il est joli. Alors après, Agretsuko. Je connais pas. J'ai cru que c'était un t-shirt d'un groupe de métal. No Overtime. Agretsuko. Voilà, donc si vous connaissez. Tac. Ça fait un chat, une espèce de tête de chat, un peu. Alors le t-shirt est bien. J'aime bien la qualité du t-shirt, l'épaisseur, on va dire. Il est pas mal. Le dessin est sympa, j'aime bien. Ça fait un peu groupe de métal, je trouve. Donc j'aime bien, ça me plaît bien. Donc le t-shirt est bien, après je vous dis, je connais pas du tout le Agretsuko. Et là apparemment on a un deuxième t-shirt. Parce qu'il nous manquait un t-shirt avant et on nous en a mis un autre. Ajin demi-humain. Vous connaissez vous Ajin demi-humain ? C'est rare qu'ils mettent. Alors, donc apparemment il est vraiment demi-humain, il y a un côté blanc, côté. Il n'y a rien. Côté noir. The dark. Voilà. Hop. Donc je ne connais pas non plus. Après au toucher ça va, c'est pas. Ça fait pas comme le t-shirt de My Hero Academia, vous savez, c'est. On voit que c'est incrusté dans le t-shirt. Oh, on nous a encore mis un mug de voyage. Un travel mug. Travel mug. Oh. C'est-à-dire sur shiny. So shiny. Ça m'a fait penser à Iron Man. C'est One Punch Man. Bon, après, c'est pareil. Hein, faut s'amuser à voyager, quoi. C'est pas mon cas. Alors, toujours, hein, attention, hein. Donc comme quoi il n'y a pas de bisphénol A, voilà. Donc tu peux boire dedans, tu seras pas malade, tu ne choperas pas le cancer. Et donc Saitama. Alors à l'intérieur il est comment? Est-ce que c'est pour l'ouvrir ma cache cool. Alors je vais peut-être pas l'ouvrir parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Bah, de toute façon vous savez ce que c'est qu'un travel mug. Hein. Voilà. Et en plus c'est même pas un... ouais c'est pour le café en fait parce que pour le boire c'est ici mais on peut pas ouvrir plus que ça enfin c'est plus décoratif hein, à mon avis celui qui se balade dans le train avec ça je suis pas persuadé enfin, en tout cas bon c'est mieux que rien avoir mais deux t-shirts un machin un petit calepin sales à toujours. Je connais pas non plus. Voilà, encore un animé passé inaperçu. À l'intérieur, c'est des petits carreaux. Avec un petit dessin sur le coin de page. Ce qui est pas mal. Il y est partout. Et sur le bas, voilà, les deux personnages. Voilà, donc après, à quoi ça sert ? À quoi ça sert? Parce que c'est gradué en fait sur le côté. En haut c'est 5 jusqu'à 65. Ici c'est de 5 et après ça descend jusqu'à 65. Alors bon. Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est pour si t'as des enfants pour dire la graduation, le poids ou la taille? Je ne sais pas trop. Je connais pas du tout.
Donc ça fait beaucoup de choses que je connais pas, dis donc, sur cette box. Bizarre. Et encore, au cas où, parce que la dernière fois je lui avais dit, ouais, septembre, mais comme j'avais fait la box en retard, forcément c'était même plus intéressant. Et puis là c'est pareil, pour le truc novembre et septembre. Donc c'est passé, mais bon, ça fait une petite carte sympathique. Je peux toujours la garder. J'ai l'impression que c'est tout. Et c'est tout. Donc l'intérieur de la box Sales machin là, c'est la même chose que ce qu'on a vu là. Donc on a, je vais vous montrer après, hein, il y a le poster avec le contenu. Donc on a l'agenda. Ce box elle est pas folle, hein. Franchement. Enfin, c'est parce que ça me parle pas trop quoi. One Punch Man je connais, mais bon. J'aurais préféré avoir à la rigueur un t-shirt One Punch Man plutôt que un truc de. Un mug là. Mug pas fan, après on a les deux t-shirts, donc je vous le remonte vite fait. Donc Agine. Tagine blanc et noir. Le t-shirt est pas mal. Même si je connais pas l'animé. Pareil pour celui avec la tête de chat là. Je vais le prendre dans le bon sens, ce sera mieux. Parce que je préfère même celui-là à l'autre. Je trouve plus, je sais pas, j'aime bien. Tac. Donc celui-là très bien. Ah, par contre, ouais, c'est vrai, pourquoi ils nous ont mis deux t-shirts. Et le poster, c'est Sales at Works. Tac. Est-ce qu'ils ont laissé le loot crate Non, ils ont pas mis le loot crate dessus. Parce que souvent, en bas, ils mettent le logo de la box. Et c'est un peu dommage parce que. On n'est pas obligé d'aimer loot crate et pour avoir le truc quoi. Donc on a deux t-shirts, donc c'est bien connu. Donc c'était Fierce, F-I-E-R-C-E. Alors enfin, je vois ce que ça veut dire exactement en anglais. Donc exclusif à Gretsuko t-shirt, d'accord. Agine demi-humain t-shirt. L'agenda machin. Et le travel mug One Punch Man. Voilà, donc c'est pas grave si je l'ai ouverte en retard la box, puisque quelque part, bon, c'est pas non plus la folie quoi. Il faut reconnaître que, je sais pas si c'est parce que c'est des thèmes qui me parlent pas trop, que bah forcément la box je la trouve pas, je sais pas. C'est peut-être ça, hein, dans la tête, on se dit, oh, ben non, c'est vrai, j'aime pas, je connais pas. C'est juste que voilà, bon, le t-shirt avec la tête de chat, là, j'aime bien. L'autre, ça va encore, demi-humain, hein. Après bon le je suis pas forcément les mugs de voyage. Donc comme c'est quand même du One Punch Man, donc je pense que ou je la ferai gagner ou je la mettrai dans une box. Je suis en train d'y réfléchir. Peut-être que je ferai une box anime où je mettrai un petit peu je prendrai le format de la box loot anime que je remplirai, et puis une fois que la box elle est pleine. Ben, je la ferai gagner et puis je vous dirai ce qu'il y a dedans. Ceux que ça intéresse, eh ben, ils participeront, et les autres, ben, tant pis, ils participeront à un autre concours. Voilà. On va faire comme ça. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous dis, ben, passez une bonne après-midi, bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée au boulot ou l'école, ou rien. Voilà. Et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette box. Moi, personnellement, ben, j'aime bien les deux t-shirts. Et c'est tout. Parce qu'après, le carnet. C'est un carnet de plus, on va dire. Je vois pas trop l'utilité en fait de celui-là. Par rapport au fait que c'est des tout petits carrés et au quotidien, je vais pas m'en servir. Et puis le travel mug, ouais voilà quoi. Je préfère avoir un vrai mug pour le café qu'un truc de voyage vu que je voyage pas, donc ça ne sert pas à grand chose. Sauf si un jour je m'en vais au Japon et ce serait la fiesta quoi. Donc voilà les amis, dites-moi un commentaire, un petit pouce bleu, et puis je vous dis à bientôt, hein. Portez-vous bien, bisous bisous, bye bye. Thank you.